Et Ohio, Minasan, c'est Gunshow. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Donc voilà, suite à l'épisode, j'étais dans ce bâtiment et j'ai rencontré un écorcheur qui était de mauvais poil. Qui était enfermé, on va dire, entre guillemets, dans ce bâtiment à cause de ses pillards. Je ne sais pas pourquoi il était là. Donc voilà, c'était un peu le bordel. Le bordel, ouais. C'était le bordel. Donc voilà, j'espère que la mission j'ai réussi normalement. Ok. Bon, ça me dit d'y aller au réseau du rail pour pouvoir valider la quête. Ok. Quête. Ouais, on va faire ça. J'aimerais bien faire ça comme ces deux trucs là. Donc ça, je vais rendre le nombre de morts et après je vais m'attaquer à pillard et point de vente. Ok, on va faire ça. Pour ce faire, je vais me TP, on va dire là. Ok, nous sommes arrivés. Tac tac. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Pas m'a demandé à vous voir. Ok, super. Alors le docteur là. Pardon, Tom Labricole m'a demandé de faire quelque chose. Le repère d'Augusta est tombé. Quand ça va mal, ça va mal. Non, tu crois? Le repère Augusta a été détruit par l'Institut. C'est ce que je craignais. Nous avons perdu 3 de nos repères. C'est dur à imaginer. Je n'ai rien d'autre à vous proposer pour l'heure. Mais quelqu'un d'autre pourra sûrement vous embaucher. Il y a tellement de crises à régler en ce moment. Ok, nombre de morts, ça, c'est fini. Plus qu'une heure avant la fin de mon quart. Tom Labricole prépare quelque chose. J'espère que ça finira mieux que la dernière fois. Ok. Quand vous êtes là-haut, à part nous, partez du principe qu'on vous observe en bon permanence. Dieu. La perte d'Augusta est un sacré coup dur. C'est pas votre faute, je sais. Cet endroit, nous, tout ça, ça n'a jamais existé, ok? Et si vous dites le contraire? Salut. Salut, vous êtes le nouveau poids lourd? Ninja, c'est ça? Ninja! Ouais, c'est moi. En personne. Ça fait plaisir de rencontrer un autre agent. Pareil. Alors comme ça, vous avez été assez dingue pour vous joindre à nous? On devrait bien s'entendre. Pareil que le standard grouillé de salopards, avec des mines et tout. C'est vrai tout ça ou c'est encore Deacon qui se foutait de ma gueule? Les autres m'ont donné un coup de main, mais ouais, c'est à peu près ça. C'est un truc de malade. Comment vous avez réussi le coup de l'ancien QG? Pitié, me dites pas que vous vous êtes infiltré façon ninja avec Deacon et que vous êtes ressorti comme si de rien n'était. J'ai passé l'âge. L'infiltration a ses bons côtés, vous savez. Oh non, vous aussi. En tout cas, bienvenue dans notre petite sauterie. Après ce qui est arrivé à Tommy Whispers, on a besoin de quelqu'un qui fait le boulot et qui a pas peur de rendre les coups. Merci. Quand vous voulez. Il m'appelle Glory, l'ange de la mort. La sainte patronne armée jusqu'aux dents des synthétiques libérés. Ça me plaît. Tu m'étonnes. Je vous aime bien, alors je vais vous donner un conseil. Faites de la lèche à Tom Labricole. Il est complètement dingo, mais c'est lui qui a tout le matos intéressant. C'est noté. Prenez soin de vous, ok? Ouais, on va voir Tom Labricole. Je faisais une petite sieste productive quand BAM! La révélation. J'ai trouvé une idée de matos pour un libérateur. Je peux transformer votre super flingue en un truc encore plus dingue. Jetez un œil à mon stock. Montrez-moi ce que vous avez. J'ai un nouvel arrivage de bidule pour vous. Ok, voilà, j'ai récupéré son snipe Tom Labricole, je sais pas ce qu'il donne en fait exactement, j'ai acheté comme ça. Ok. Voilà, ok, d'accord. Eh,
me revoilà, donc hein, c'est parti. Quoi? Mal joué, mon pote. C'est gagné. Encore une fois. Quoi, je suis encore aussi lourd? Ah ouais. Ok. Ok, bon, ben on va là-bas. C'est ouf que je suis gavé lourd, tiens. En même temps, j'ai plein de trucs sur moi aussi comme ça là, donc il faudra bientôt que je m'en débarrasse, donc il faudra que je fasse une halte bientôt à la maison pour que je puisse me débarrasser des choses qui sont lourdes. Parce que ça fait quelques missions que je suis pas allé. Donc voilà, bon, dépendance de drogue, ok, bon après ça je peux m'en débarrasser facilement, donc ça c'est pas un souci. J'ai beaucoup de trucs désintox, donc ça va. Ok, par contre ça peut le faire si je tombe à chaque fois dans la rade. Hop, on prend ça. On prend ça. Prends le petit snipe. Apparemment c'est là. Ok d'accord. Hop. Bien, on est suivi. On les tient. Quand on nous voit, on croirait que c'est facile. Sans vouloir vous faire flipper, je crois qu'on n'est pas seul. Ouais, on n'est pas seul. Sérieux. Hey, c'est moi qui fais ça normalement. Vous avez vérifié dans vos poches? Les ennemis sont toujours au dernier endroit où on regarde. C'est vraiment un truc qu'on fait souvent. Gagner, je veux dire. Bah ouais, sinon ce serait pas marrant. Sérieux. Ok, bon, je me suis débarrassé de ça. Est-ce qu'il y a un truc intéressant dans ce machin? Ouais, céramique, caoutchouc, cuivre, téléphone, pot de peinture vide. Bon bah à partir de là je vais faire quelques trucs, cette vitesse sublimique, sans sublimique. Enfin j'aurais pas dire moi faire un truc rapide. Thank you.
Ok, bon, voilà, j'ai un petit peu, on va dire, à améliorer des choses par-ci par-là et tout, donc voilà. Ok, donc ça c'est fini, donc c'est bon. Ok, problème de sommaire place. Ok. Sommaire place, c'est où déjà ça? Sommaire place, place. Ça fait un bout de temps qu'on voyage ensemble. Ok. On pourrait discuter un peu. Ok. Je vous écoute. Avant, je travaillais seul. Mais j'avoue qu'à force de bosser avec vous, j'en viens à me dire que j'ai peut-être manqué quelque chose. C'est pas mal d'avoir quelqu'un sur qui compter. Surtout qu'on sait jamais quand l'Institut nous observe. C'est toujours bon d'avoir du soutien. Exactement. Il y a des jaloux au QG. Tous ceux que vous connaissiez sont morts depuis un bon bout de temps. Attendez, j'ai pas encore parlé du bon côté. Quand quelqu'un du réseau fait une connerie, ses amis et ses proches se retrouvent en danger. Vous, ça risque pas de vous arriver. Alors pour vous, je devrais me réjouir d'avoir perdu mon fils ? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais si l'Institut apprend pour l'Église et nous envoie ses chasseurs, au moins... vous mettrez personne d'autre en danger, c'est tout. Ça n'a pas d'importance pour moi. Je suis un synthétique. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, j'ai pas grand-chose à perdre. Pour Glory et moi, et pour les autres aussi, c'est plus simple de nous consacrer à la cause. Ok. Intéressant. Très intéressant, tout ça. C'est une façon de voir les choses. Vu qu'on voyage ensemble, je tiens à vous donner ça. C'est mon code de rappel. Si vous avez besoin de savoir quelque chose sur l'Institut, lisez-le-moi. À quoi sert ce code de rappel ? C'est une sorte de filet de sécurité, comme un siège éjectable qui rétablit l'identité d'origine d'un synthétique. J'imagine que c'est assez traumatisant, comme un gros feu d'artifice, mais sans le spectacle, juste avec le bruit. Ne vous servez de ce code qu'en cas d'absolue nécessité. Il effacera toute ma mémoire, et je sais pas ce qui restera de moi après. Je me sentirais mieux si vous le lisiez pas tant que c'est pas vraiment nécessaire. Ok. Ok, je suis sur le cul, c'est un synthétique. Ok, les gars. Bon, il est gentil quand même. On aurait bien besoin de votre aide. Ok. Oui, je viens vous aider. Quel est le problème ? Des pillards nous persécutent. Ils prennent notre nourriture, notre matériel, et ils nous menacent quand on leur donne pas ce qu'ils veulent. On sait d'où ils viennent, mais on n'est pas capable de leur résister tout seul. Vous savez à combien de pillards on a affaire ? Je ne peux pas vous dire, mais la dernière fois, ils étaient 3. Il y en a sûrement bien plus dans leur base. Ok, on va faire ça. On va désosser ces enfoirés. Ah bah c'est où ? Vouloir vous faire flipper, on y va. Prenez pas ça. Tommy, sérieux ? Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. J'espérais qu'ils seraient tous morts à ce stade. Je vais pas m'en sortir. Ce genre de truc. Ça y a quelque chose d'intéressant ? À part de la bouffe de chien, non.
Merde, faut jamais se coller. Repère des junkies. Ok. Affiché sur la carte. Peut-être là-haut. Putain, ça me saoule, je suis qu'à vélo encore. Sérieux. Je crois que j'ai un droit ou un manque de. De ça. Ok. C'est parti. Je pense que c'est là-haut en fait. Enfin, je suis pas sûr, mais on va vérifier. Nope. Je pense pas. Alerte. Individu hostile détecté. Emploi de la force létale autorisée par toutes les unités. T'as un morceau qui dépasse là. C'est quoi ce bug? Il est recommandé aux non-combattants de se tenir à l'écart des tirs. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec vous. Voilà, c'est ouvert. C'est bon. Je pense pas que c'est là-bas, mais bon. Mes capteurs détectent une forme de vie douée de conscience. Augmentation du niveau d'alerte. Bien, on est suivi. Merde. C'est là que les méchants sont censés y rester. Je suis prompt. Mais là je... Oh putain! What the fuck? Saleté. Oh my god! Vous avez le droit de vous enfuir, hein? Je dirais pas. Liquidez la mine. Ils ont dû filer depuis longtemps. J'ai mis à poil, mais... On dirait que ça va devenir marrant. Ouais, ça compte. Tu vas m'en plaire. Hmm,
apprendre ça, hein. J'irai plus tard dans ce bâtiment. Normalement, je l'ai marqué sur la map normalement. Oui. J'arrive pas à croire que vous ayez survécu à Sceaux. Vous êtes vraiment une tête brûlée. J'ai une tête brûlée, ouais. Ouais. Ok, donc c'est pas là. Je ne vois pas trop où seraient ces connards de pillards qui les attaquent. Je pense que je verrai ça dans un prochain épisode. Donc là je vais rentrer à ma base, on va dire, et le prochain épisode je partirai de là-bas. Donc voilà, c'était Guincho. Bye bye.